Nous sommes près de la rue des Rosiers avec Mathieu Madras. Vous êtes en train de lire un ouvrage consacré à la pensée marxienne, marxiste. C'est un sujet qui... Vous êtes quelqu'un qui s'est beaucoup consacré à cette question. Alors, quel est l'aspect de la pensée de Marx qui vous intéresse le plus actuellement, qui vous paraît soit le plus pertinent, soit le plus problématique? Ce qui m'intéresse le plus dans Karl Marx, c'est ses écrits de jeunesse, en particulier le manuscrit de 1844. Ah oui, qui précède donc le manifeste de... Il parle de l'aliénation. Oui, ça vous parle le plus. C'est là que vous pensez qu'il a touché un sujet important pour nous? Spécialement important à notre époque, dans la mesure où on est de plus en plus spécialisé dans des domaines très restreints. La spécialisation génère de l'aliénation? Certainement, parce qu'elle ne permet pas une universalité des compétences. Et lui, qu'est-ce qu'il écrivait en 44 alors? Il disait que, en s'occupant du détail de son monde, plus on s'occupe des détails de son monde, plus on est éloigné de son monde. Pardon? Plus on s'occupe des détails de son monde, plus on est éloigné de son monde. Les détails. Les détails. Cette notion des détails. Il faut éviter Quand les détails. On se concentre sur quelque chose de manière très forte. Ah oui. On est éloigné de l'ensemble. Ah oui, d'accord, oui. Et la relation du monde de travail à la hiérarchie, c'est que la hiérarchie, justement, peut avoir une vision d'ensemble dont le travailleur est dépourvu, étant donné sa tâche répétitive et sa... Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est le problème de la fonction. On est réduit à une fonction, à un engrenage, à un rouage. C'est ce que dit Karl Marx. Il va même plus loin. Il ne dit pas simplement que le travailleur est un engrenage. Il dit qu'il est un simple appendice de la machine. Alors, quelle est la différence entre le statut de le travailleur qui est un engrenage ou une... Un boulon et le chercheur qui se spécialise dans un créneau particulier. Est-ce que ça a un rapport ou c'est complètement différent comme problématique? Est-ce que un très grand physicien, est-ce qu'on peut le mettre sur le même plan qu'un travailleur qui est spécialisé dans telle et telle fonction? Pas la même chose. Enfin, en tout cas, il considérait le travailleur comme... donc la machine, elle est spécialisée, elle ne sait faire qu'une seule chose. En fin de compte, elle serait, je dirais dans mon propre langage, elle ne serait que dans l'émission. C'est-à-dire qu'en fin de compte, elle n'a pas conscience de l'ensemble. Mais le chercheur lui-même est tributaire d'un certain nombre de techniques, les scientifiques... élaboré à travers les siècles et qui sert de moyen d'investigation et de test pour les laboratoires. Et la vision scientifique s'idéalise relativement à la multitude des objets qui servent à l'investigation. Donc là, on peut considérer que la recherche, même si c'est le créneau supérieur peut-être du point de vue de l'ensemble et de la synthèse par rapport aux travailleurs, on peut considérer que la recherche elle-même, d'une certaine manière, est un produit aliéné. Oui, justement, je voulais vous intéresser à Karl Marx, monsieur? Karl Marx? Oui. Vous avez l'air d'être intéressé par Marx. Non, je regardais tout ça. Il y a des questions sur Marx. Vous avez des choses à dire sur Marx? Non, rien, je vous dis, bon. C'est pour moi, c'est vous le trouvez en librairie? Oui. Là, c'est là, vu l'écart. Non, c'était dans une autre librairie, à la librairie Texture. Deux? À la librairie Texture dans le 19e arrondissement. Ah, donc c'est bien. Et j'ai suivi, c'est l'écart. Non. Non. Mais Hobsbawm, c'est un historien britannique qui s'est penché sur le marxisme et qui est l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages historiques sur le 19e siècle. Il a écrit
Ah, d'accord. Il a écrit aussi l'âge des extrêmes, c'est une synthèse sur le 20e siècle. Bon, alors vous avez le temps de continuer. Alors donc finalement, donc c'est, et après c'est moins intéressant ce qu'a fait Marx après ses écrits de jeunesse. En fait, dans les écrits de jeunesse, il développe l'idée que dans le process de production, il y a une sorte de dichotomie entre le désir et la nécessité, en fait. Nécessairement, le travailleur travaille, mais il se réalise vraiment qu'à partir du moment où son travail finit à la fin de la journée, et à la fin de la journée, il est tellement crevé, tellement fatigué, que par définition, il est réduit à ses fonctions purement animales. Fonction animale, fonction machinale, c'est ça, c'est le syndrome de la fonction, du fonctionnalisme. Oui, et comment il diabolise la fonction, oui. Oui. Dès qu'il a l'occasion de fuir le travail, il ne fuit le travail. Par définition. Précisément parce qu'il ne se réalise pas dans ce travail. Étant donné que son produit est accaparé par le propriétaire. Son produit en tant que dépense d'énergie moyenne de l'ensemble des travailleurs nécessaire à la reproduction matérielle de la société tout entière. Il y a ceux qui dirigent, les gestionnaires, les managers, les politiciens, ceux qui s'occupent de la superstructure et ceux qui exécutent. Oui. Il y a une déperdition énorme d'énergie, de produits dans ce process en fait. Dans ce process qui n'a pour tout objet non pas de produire des marchandises pour elles-mêmes. Mais la marchandise sert de médium, puisque pour produire une marchandise, il faut avancer une certaine part de capital et ça revient sous la forme de la vente de la marchandise, où la valeur est réalisée par le biais de la production de la marchandise et de l'achat de la marchandise. Et la marchandise existe relativement au fait qu'elle permet au capital de s'agrandir en fait. Et cet agrandissement du capital, l'accroissement du capital théoriquement en fait, si on réduit les êtres humains à des pures fonctions économiques, qui servent uniquement à ce que les fonctions de commandement se reproduisent de génération en génération. Autrement dit, qu'il y a une sorte de constance, à peu près constante, qui n'est jamais tout à fait constante, dans l'espèce de passage de l'héritage d'une génération à une autre. Il y a des conflits, des guerres, des antagonismes, des accidents du travail. Il y en a tous les jours des accidents du travail. Mais c'est voilé par l'idéologie dominante. Les idées dominantes d'une époque sont les idées de la classe dominante. Alors finalement, qu'est-ce qu'il propose au bout du compte? Il propose une société idéale? Il y a une utopie quelque part dans tout ça? Justement, il critique les socialistes utopiques, en particulier Proudhon. Oui. Qui est partisan d'une sorte de communisme où tout le monde serait égaux dans l'aliénation, dans le travail, en fait. Ce qu'il propose, c'est qu'il n'y ait pas d'hiérarchie du tout. Et qu'il n'y ait pas d'hiérarchie du tout, ça permettrait justement que le travail soit plus une aliénation, mais que les travailleurs se réalisent mutuellement dans leur association. Oui, mais le travail resterait... Si j'ai bien compris, mon cher Mathieu Madresse, le travail lui-même resterait ce qu'il est. Il resterait ce qu'il est, sauf qu'il n'aurait pas la même portée. C'est-à-dire que l'acte lui-même de travail serait le même. Mais il n'aurait pas... On ne produirait pas énormément de choses qui ne sont pas nécessaires à l'existence, parce qu'on produit beaucoup de choses inutiles, et il y a énormément de domaines qui servent non pas à produire le nécessaire, mais à produire la hiérarchie, dans la mesure où ces multiples fonctions servent de garde-fou à la hiérarchie, au sommet de la hiérarchie. Par exemple, la bureaucratie, le journalisme, les médias, la télévision... Tout ça, c'est inutile. En régime hiérarchique, ça a son utilité, sa rationalité. Mais si on s'en tient au travail nécessaire à la reproduction matérielle d'une société, une société ne se pense pas nécessairement et unilatéralement sous la forme d'une hiérarchie.
des sociétés solidaires. Mais est-ce que Marx, il pense le progrès scientifique, Marx ? Est-ce qu'il comprend comment une société... On a l'impression qu'il est, en vous écoutant, qu'on est un peu dans le malthusianisme, c'est-à-dire que quels sont les agents du progrès ? Sans doute, mais le progrès lui-même est obéré par la nécessité d'économiser et de faire des coupes drastiques dans les budgets. Les chercheurs, par exemple, sont tenus de faire des recherches qui potentiellement peuvent avoir des débouchés économiques. Du coup, ça restreint le champ de la connaissance. Mais on ne peut pas nier quand même que il y ait... On n'est pas dans un monde sclérosé sur le plan intellectuel, sur le plan technologique. On avance, on progresse. Ça dépend de quel côté de la barrière on est aussi. Il y a beaucoup, beaucoup d'accidents, beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes. Mais ça, c'est secondaire. Ça, c'est vraiment le. C'est quoi ? C'est un tout petit pourcentage de l'ensemble. J'ai l'impression que vous vous focalisez sur les accidents. Les accidents, c'est l'exception qui confirme la règle, non ? Les accidents. Si vous avez 1% de gens accidentés, qu'est-ce que ça veut dire ? Dans une société, dans une... Vous voudriez qu'il y ait une société où il n'y ait pas d'accident ? Je pense que là... L'accident, c'est l'aléa, c'est ce qui n'était pas prévisible, c'est le dérapage. D'ailleurs, il y a de moins en moins d'accidents, d'une certaine façon. Je pense que statistiquement, il y a moins d'accidents aujourd'hui qu'il y a 200 ans. Dans l'industrie, sans parler de la question des naissances, il y a beaucoup moins de femmes qui meurent à la naissance, ça. Oui, mais l'industrie, c'est dans des conditions extrêmement barbares. Chronométrées au millimètre de seconde. Mais finalement, est-ce qu'on n'a pas l'impression que le travailleur aujourd'hui, lui, ce qu'il cherche, c'est simplement un emploi ? Tout simplement. Est-ce qu'il ne cherche pas un emploi, quel qu'il soit, il ne vend pas son temps, quel qu'il soit, pour avoir un emploi qui lui permet de consommer ? Oui, mais ça n'enlève rien à la question de la souffrance. Justement, le drame de l'aliénation, c'est qu'il ne sait pas ce dont il souffre, en fait. Il est comment ? La médecine libérale a une vision individualiste de la souffrance. De la souffrance humaine, et ça arrange bien les industriels de la pharmacie et la société tout entière. Qu'est-ce qui s'oppose à l'industrie ? Il y a une vision qui ne serait pas individualiste, c'est ça ? Qui serait collective ? J'ai pas compris. On est dépendant de tout ce qui nous entoure. L'individu, c'est une commodité de l'économie classique pour mieux manipuler les hommes, en fait, en les considérant uniquement sous l'angle utilitariste, comme des homo economicus. Mais cette modélisation, elle ne marche pas dans la réalité. Elle ne correspond à aucune réalité, et pourtant, plus il y a de gens qui adhèrent à cette vision du monde, plus la société est tirée vers la concurrence, et le libéralisme, mais cette concurrence et ce libéralisme, c'est même un mensonge, dans la mesure où ça permet à une petite portion de la population de vivre à son rythme au détriment de la majorité. Ah bon, et ça, c'est pas bien. C'est pas bien que la... Donc il faudrait que... Parce que... vous avez une vision de... Il faudrait que ce soit la majorité des gens qui soient bien, c'est ce que je veux dire. Ça dépend de quel côté de la barrière on se situe. Mais si c'est la majorité qui souffre, eh ben on a grande chance de faire partie de la majorité. Donc c'est la majorité qui fait référence, d'après vous ? En régime démocratique, ça devrait être la majorité, mais dans la pratique, ça ne l'est pas, tout simplement parce qu'il n'y a pas les outils intellectuels et que l'aliénation... Le processus de production fait que la plupart des gens n'ont pas le loisir, ni la possibilité, ni la capacité de se consacrer à des questions économiques et politiques. Mais alors finalement... La technique aggrave les choses à un point exponentiel. En fait. Si je comprends bien, votre religion, c'est la démocratie, quelque part. C'est-à-dire que votre éthique, c'est la démocratie. Il faut que la plus grande... La démocratie, donc le vote, c'est important le vote pour vous
Les gens qui votent. Le vote, ça ne suffit pas. Le vote, c'est une sorte de plébiscite. En fait, on choisit le tyran qui va être le moins oppressif. Mais le tyran le moins oppressif, il est lui-même une sorte de symbole qui est la clé de voûte du mode de production. En réalité, il est entouré de toute une cour de conseillers universitaires, oui, de directeurs, de sous-directeurs, de sous-officiers, de chevaliers d'industrie, d'ouvriers ambitieux. Voilà. Et la lutte des classes, d'ailleurs, c'est pas une minorité de 10 personnes qui manipulent la grande majorité de manière ultra machiavélique. Vous êtes du côté de la grande majorité contre la minorité, vous êtes, c'est ça, vous vous posez comme ça? La grande majorité est persuadée qu'elle aurait intérêt à faire la révolution, mais de facto elle ne la fait pas. Et si elle ne la fait pas, c'est que par définition, il n'y a pas une majorité qui est pour la révolution. Si c'était le cas, il y aurait déjà une révolution. Dans la lutte des classes, ce qui fait que la hiérarchie est gagnante, c'est qu'une grande partie de la hiérarchie a confiance et a foi dans la hiérarchie et dans le libéralisme. Donc par exemple, vous dites que le communisme c'est une religion, mais on pourrait aussi bien dire que le libéralisme en est une autre. Et non, c'est mais une religion qui crée pas mal de dégâts d'ailleurs. Parce qu'à l'échelle de la planète, ça fait qu'il y a 1 milliard d'êtres humains avec moins d'un dollar par jour. Ça... Donc c'est toujours la référence au nombre de gens qui ont pas ceci. Donc vous voudriez que la grande majorité des gens soient satisfaites, c'est ça? On s'occupe. La problématique, ça ne tourne pas autour du fait de s'occuper ou de ne pas s'occuper, ça tournerait plutôt autour de la question de savoir si on a la possibilité et la capacité de développer ses facultés. Or là, il y a une partie de la population auquel on donne très peu la possibilité, ou qu'il y a moins ou beaucoup moins de chances ou moins de possibilités que d'autres portions de la population. Mais vous pensez qu'ils sont tous aussi capables que les autres ? Sont pas forcément tous aussi capables, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que on ne leur donne pas la possibilité. Vous pensez que on a des exemples, vous pensez pas que la société est capable de faire émerger les gens capables dans son sein, dans tous les domaines? La société. Oui. Par le système d'éducation, il y a beaucoup de gens qui sortent du rang, qui se font connaître. Et c'est ce qu'on appelle la méritocratie, la république. Ou même, oui, mais pas forcément, oui, c'est ça, mais de toutes sortes de façons. Ça veut dire que celui qui est le plus intelligent, le plus audacieux, le plus fort, va pouvoir accéder à un grade dans la hiérarchie qui va lui permettre finalement... Hiérarchie, ou... Enfin, ça dépend ce que vous entendez par hiérarchie, c'est pas forcément dans l'État. Ça peut être... Si on prend comme présupposé idéologique aussi le fait d'être... de servir, de produire, de rendre service, d'être une fonction aussi. Oui. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ça les satisfait d'être comme ça. Justement, à mon avis, pour faire une lecture de Marx, oui, intéressante, il faut penser à la Fargue. À la Fargue. C'est-à-dire à la paresse. Oui, la Fargue, oui. C'est un continuateur de Karl Marx. Oui, bien sûr, oui. Et Karl Marx parlait du C'est la situation des loisirs. Non, le loisir, c'est une sorte de vacances qui permet de se rebooster pour travailler encore. En fait. Oui. C'est une sorte des groupes des sociologues. D'accord, oui, je comprends. Au service de la domination. Oui. Là, ce que la FARC, lui, propose autre chose. La FARC, il propose carrément une société de loisirs qui serait basée justement sur le fait qu'on produirait tellement par le biais de l'association qu'il y aurait tellement peu de gâchis que finalement on pourrait travailler très peu en fait. Oui. Au total. Ce qui ferait qu'on pourrait se livrer à des activités non directement nécessaires à la société, mais qui correspondraient à des besoins humains, comme par exemple la connaissance, l'esthétique, l'amitié, l'amour. On aurait beaucoup plus de temps pour ces choses-là. Oui. Ben avec le développement de la productivité, c'est peut-être possible, apparemment. Oui, mais avec le développement de la productivité, il n'en reste pas moins que le peu de temps que les gens travaillent encore, ils le font dans des cadences, à des rythmes, et sous une pression de stress qui fait que d'une certaine manière, ils ne sont plus les mêmes dans les instants de temps libre qu'ils ont en dehors de la production. Même si ces instants de temps libre
sont plus longs que par le passé. La question de savoir ce que font les gens de leur temps libre, effectivement. Oui, mais il y a aussi la question de savoir ce qu'ils font dans le travail et comment ils travaillent. Et là, tout est l'enjeu de la, comment, de la révolution. Ah oui, alors justement, parlons-en de la révolution. L'enjeu de la révolution, c'est quoi ? C'est aussi de pouvoir faire en sorte, non seulement que les gens aient du temps libre pour se consacrer à des valeurs qui ne sont pas directement reliées à l'utilitarisme, mais aussi que les gens puissent travailler dans des conditions bien meilleures, en fait, qu'ils ne soient pas soumis à l'économie des coûts, dans des conditions bien meilleures, plus amicales, plus détendues, plus reposantes. Alors, quelles sont actuellement les forces politiques qui vont dans ce sens, monsieur Matras ? Aucune. Donc, finalement, donc, ce que vous dites, c'est complètement décalé par rapport à la réalité sociopolitique ? Ce n'est pas décalé, c'est décalé par rapport à la volonté politique actuelle, mais ce n'est pas décalé par rapport à la nécessité historique. Oui ? Ça dépend où on se situe, encore une fois. Parce que pour un matérialiste, il est évident que quelqu'un qui échappe à l'esclavage salarié, il ne va pas s'amuser à défendre idéalement une société qui le condamne justement dans son existence physique. Mais dans le monde, il n'y a pas un pays qui se rapproche de votre idéal parmi tous les pays qui font des expériences. La Chine, par exemple, ou je ne sais pas, est-ce qu'il y a des pays qui sont proches de ce que vous attendez ? Non, la Chine, c'est un pays hiérarchique, c'est un pays bureaucratique, une sorte de capitalisme mixte avec une idéologie communiste, mais l'idéologie, c'est pas la réalité matérielle. Dès lors qu'il y a un parti, une bureaucratie, de la politique, on n'est pas dans le... Est-ce que vous vous rapprochez de l'extrême gauche, des trotskistes, je ne sais pas, est-ce que vous vous rapprochez de ce genre de personnes Quels sont les partis politiques qui se rapprochent le plus de votre attente, qui incarne le mieux ce que vous attendez dans l'échiquier politique? Quels sont ceux qui sont le plus proches de vos positions? Aucun. Donc, ce que vous dites, c'est complètement décalé par rapport à la réalité actuelle. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun projet qui va dans ce sens. Les gens qui ont une certaine conscience des problématiques liées entre guillemets au système capitaliste, et plus souvent ils appartiennent à l'intelligentsia, c'est-à-dire au grand corps universitaire, donc c'est-à-dire à des personnes qui sont hors de la société civile, d'après la définition qu'on donne. Est-ce qu'on peut dire que vous vous rapprochez d'une forme d'anarchisme, Mathieu Matras ? Est-ce que vous avez une sympathie pour l'anarchie ? D'une certaine manière, l'anarchie, c'est... Je m'en rapproche, mais c'est un mot qui est très ambigu, encore une fois. Parce que l'anarchie, ça peut vouloir dire la guerre permanente aussi. Le désordre. On peut considérer, à contrario, que l'anarchie, c'est l'ordre moins le pouvoir. Oui. Que ça implique un certain ordre intérieur, une certaine rigueur, une certaine sévérité à son égard, une certaine éthique vis-à-vis d'autrui. Par exemple, quelqu'un comme Mélenchon, est-ce que vous avez de la sympathie pour lui, pour Jean-Luc Mélenchon ? J'ai de la sympathie, mais c'est un politicien. Un politicien, c'est quelqu'un qui a joué le jeu de la hiérarchie, puisqu'il a été ministre sous François Mitterrand. Oui. Donc il a eu l'occasion et la possibilité matérielle de devenir un homme de la bourgeoisie. C'est un homme de la bourgeoisie qui essaye d'éveiller les foules par des slogans, mais d'une certaine manière, il joue son rôle. Oui. Il joue son rôle aussi pour sauver sa peau. Et c'est tout à fait normal. Et le Parti communiste, qu'est-ce que vous pensez du Parti communiste français ? C'est un parti keynésien, en fait. Il n'y a plus rien de communiste. Les communistes dans son idéologie. Vous êtes contre la pensée de Keynes ? L'économiste Keynes ? Parce qu'on a l'impression que ça va dans ce autre sens, Keynes, puisqu'il s'agit, en fin de compte, de favoriser la consommation. Pas forcément. Quels sont les économistes qui vous sont le plus proches de votre sensibilité politique Puisqu'on a parlé de Karl Marx, on a un Karl Marx.
Oui, mais enfin, donc Karl Marx, vous le considérez comme un économiste? Oui. Qu'est-ce qui distingue Karl Marx de ceux qui l'ont précédé? Ou quels sont les économistes qui ont le plus influé? Quels sont les économistes qui ont précédé Karl Marx, à votre avis? Dans le même sens. Essayons de résumer notre discussion, parce que finalement, où est-ce que Karl Marx voulait en venir, en fait, compte à votre avis, Mathieu Marx, Madras? D'ailleurs, Madras, ça fait penser à Marx, d'ailleurs. Où est-ce qu'il voulait en venir? Réfléchissons calmement sur ce point. Il voulait démontrer que la profonde injustice de ce qu'on prenait pour des lois de la nature, c'est-à-dire une économie qui était présentée sous forme de loi immuable. C'est ça. C'est le fameux débat sur, en fin de compte, c'est une critique sociologique une critique sociologique qui veut que c'est pas la nature qui fait que les gens sont comme ils sont, mais la société qui a produit ce genre de résultats. D'une certaine manière, l'histoire, par une volonté d'accaparement. Oui, c'est cela. Qui remonte aux enclosures. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que les femmes parlent d'elles-mêmes. Elles disent que c'est la société qui a créé l'inégalité des genres, des sexes. Et vous pensez que c'est le même genre d'argument qu'elles utilisent par rapport à pour expliquer leur situation inférieure historiquement? Est-ce que vous pensez que Marx en 2016 est toujours actuel, 200 ans après, si on peut dire? Oui. Ça, j'en suis persuadé. Mmh. Et là, d'ailleurs, ce qu'il prouve, c'est l'omniprésence de la propagande radiophonique, télévisuelle, Internet, dont on s'aperçoit très bien que dont la manière dont elle est organisée, elle a plus pour but et pour volonté d'abrutir que d'informer véritablement. Et cette volonté d'abrutissement, elle peut être le symptôme que d'une chose, c'est-à-dire d'un pouvoir qui veut garder sa mainmise sur les gens. Et dernière question, est-ce que ça fait combien de temps que vous avez rencontré Marx en fin de compte? Une dizaine d'années déjà, je suppose. Non, vous l'avez rencontré quand vous aviez une vingtaine d'années, 18 ans, je ne sais pas. Quel âge? Ça fait combien de temps que vous fréquentez Marx? Depuis longtemps. Et est-ce que vous avez modifié? Est-ce que, par exemple, ce que vous dites actuellement, est-ce que vous le disiez déjà il y a 10 ans? Est-ce que vous gardez les positions que vous aviez déjà il y a 10 ans, par exemple, sur ce sujet? Ou est-ce que ça a évolué? Est-ce que votre rapport à Marx a évolué sur les dernières 10 années? Je ne suis pas un spécialiste de Karl Marx. Non, mais justement, je veux savoir si vous avez... est-ce que vous avez révisé ou amélioré ou fait évoluer votre discours sur Karl Marx? Karl Marx, si, comment il présentait le travail aliéné comme le principal obstacle au changement. Et par rapport à la position marxiste, j'ajoute que la communication elle-même, le semblant de communication, la volonté d'être liés les uns aux autres, agit pour renforcer le mode de production. C'est une extension du travail à une époque où le travail devient presque dérisoire, en fait, étant donné le taux de productivité et l'abondance des marchandises qui saturent le marché. Oui. D'une certaine manière, la communication, Internet et les téléphones portables sont devenus un instrument de domination et la communication est une idéologie. Est une idéologie, à la fois une idéologie et une infrastructure. Elle est une idéologie dans la mesure où chacun achète son gadget pour avoir l'impression de ne pas être exclu du groupe. C'est parce que c'est un signe de reconnaissance. Et cette idéologie, une fois qu'on a le gadget, on s'habitue à ce gadget. Et on est forcé de l'utiliser le plus souvent possible. Et ça oblitère, ça dégrade.
ça abîme le langage, les relations, on a tendance à plus se téléphoner, à plus se communiquer qu'à se voir en chair et en os. Ça accroît la vitesse et en accroissant la vitesse, ça détériore la capacité de réflexion par rapport à la lecture, chose comme ça. Mm-hmm. C'est une sorte d'infrastructure qui peut être comparable à un degré encore plus puissant à ce qu'a été la télévision. La télévision, on a toujours critiqué sous l'angle de la propagande et du contenu que ça pouvait diffuser, mais on ne l'a jamais critiqué en tant qu'infrastructure qui fait que quand chaque ménage regarde la télévision le soir, chaque ménage, par définition, est séparé des autres ménages. Ça ne crée pas une situation qui est propice à l'échange, à la conversation, au débat, au tumulte démocratique, tel que ça a pu être le cas en Grèce, par exemple, au 5e siècle. Mais, oui. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est trop nombreux, finalement? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une sorte de d'hubris démographique qui n'a aucun sens? Il y a une hubris démographique qui est d'autant plus inquiétant et d'autant plus touchant que, d'une certaine manière, c'est une démographie qui est au sein d'une hiérarchie qui ne donne pas sa place à tout le monde. Donc c'est une démocratie qui est susceptible de se transformer en guerre civile. Et pour pallier à cette chose-là, les dominateurs ont une stratégie, c'est de tout mécaniser et de tout bureaucratiser pour que les gens ne fassent pas valoir leurs droits et de pouvoir, avec une sorte de malthusianisme caché, éventuellement supprimer de manière... De toute façon, si je vous écoute Mathieu Madra, de toute façon, on va dans le sens que vous dites. Il y aura de moins en moins de gens qui travailleront, de toute façon. Donc on va vers l'OVNU universel. Il y aura de moins en moins de gens dont on aura besoin. La plupart des gens seront inutiles au fonctionnement de la société. Oui, mais est-ce que ça signifiera qu'ils auront le droit d'exister? Ça, c'est une question qui peut se poser. Soit ils auront le droit d'exister, et ils seront payés pour à ne rien faire. Soit on les supprimera. Peut-être qu'elle va te donner un... Deux solutions. S'ils ne savent plus... Soit, est-ce que vous pensez que si on disait aux gens « on vous paye un minimum, mais vous faites ce que vous voulez », est-ce que ça leur conviendra? Est-ce qu'on va vers ça, de toute façon? C'est encore l'autre jour, encore, on en parlait. Je crois que c'est Manuel Valls qui parle de revenu universel. C'est-à-dire que, fin de compte, les gens recevront une pension. Et moi, personnellement, mon point de vue, si vous voulez savoir, je pense qu'il vaut mieux payer les gens à ne rien faire que de les employer alors qu'on n'a pas besoin d'eux. Il vaut mieux qu'il y ait une efficience au niveau du travail et que les gens qui n'ont pas leur place ne travaillent pas. Ça n'a pas de sens de faire un travail par 10 personnes alors qu'on peut le faire par 2 personnes. On est d'accord ou pas là-dessus? Oh, mais il y aura toujours cette idéologie qui mettra au banc de la société les gens qui ne travailleront pas et qui les diviseront, en fait. Ah, mais ça, de toute façon, c'est la moindre... Vous ne pouvez pas éviter ce point-là. Alors, il ne faudrait quand même pas que vous vouliez à la fois le beurre et l'argent du beurre. Si on vous dit que ces gens-là peuvent travailler, peuvent vivre sans travailler, vous n'allez pas en plus s'en rajouter en disant « Ah oui, mais il faut quand même les faire travailler. » Vous dites que si jamais il y a des gens qui sont payés à ne rien faire, ils vont être stigmatisés. Alors, il faudrait savoir ce qu'on veut. Reconnaissez que ça serait une solution, stigmatiser ou pas stigmatiser. Il faudrait qu'il soit à la fois... Ça serait une solution réactionnaire dans la mesure où ça serait une solution qui ferait l'économie d'une véritable démocratie. Une véritable démocratie, ça serait vraiment une assemblée où tout le monde aurait sa chance de se développer et où on pourrait s'associer pour produire ce qui est nécessaire à la communauté. Oui, alors, pourquoi pas? Okay, attendez, j'essaie de comprendre pourquoi, si là on crée une société où les gens peuvent vivre correctement sans avoir besoin de travailler, où est le problème? On leur donnera tout juste ce qu'il faudra pour survivre. Et alors? Ils ne pourront pas, par exemple, s'adonner à des travaux ou à des choses qui nécessiteront, par exemple, plus de richesses.
Et alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait que tout le monde soit, il faudrait de l'argent, il faudrait que tout le monde ait un maximum d'argent. Non, parce que l'argent, tout simplement, c'est la valeur qui est constituée par le travail. Il faudrait tout simplement que la structure productive soit par le biais d'associations, de conglomérats d'associations, sans aucune hiérarchie. C'est la définition même. Oui, mais alors, attendez, alors les gens, ils seraient payés. Ils auraient plus de moyens, ces gens-là? Attendez, j'essaie non, de comprendre votre concept d'association. Qu'est-ce que c'est? Ils auraient d'autant plus de moyens qu'ils, de toute façon, ils produiraient et qu'il n'y aurait pas de déperdition de marchandises, donc pas des gaspillages. Alors, qu'est-ce qui achèterait leurs produits? Ça serait des stocks qui seraient gérés par des gens qui seraient révocables périodiquement à... Mais ce seraient des produits qui se vendraient peut-être pas. Il y aurait des formes de tickets, une forme de monnaie qui ne serait pas thésaurisable. On pourrait imaginer ça. Oui, ben... Le capital serait aboli sous sa forme capitalistique. Par définition, il n'existerait plus. Il n'y aurait plus que l'association. Alors, excusez-moi, d'où ça vient ce mot association? Quels sont les penseurs qui ont... C'est vous qui introduisez cette notion d'association? Quels sont les économistes qui ont introduit cette notion d'association? Les socialistes à la suite des libéraux anglais. Les socialistes, il y en a eu beaucoup en France. Il y a eu Proudhon. Donc vous seriez assez proche de ces socialistes comme Proudhon ou Fourier, je ne sais pas. Oui, c'est ceux qui ont participé à l'élaboration en fait du marxisme de manière indirecte en fait. Parce que Marx et les amis, il y a eu des débats houleux au 19e siècle. Alors vous êtes sûr de bien comprendre, de bien cerner cette notion d'association en tout cas, comme entité économique pertinente? Elle est d'autant plus pertinente qu'au sein même du mode de production capitaliste français, il y a des tas d'associations. Et ça fonctionne. Et d'ailleurs, la structure économique ne pourrait pas fonctionner sans association. Il y a plein de communs. Pourquoi pas imaginer élargir ça à la société tout entière? J'ai du mal à comprendre en quoi l'association serait une panacée qui permettrait de sauver à la fois... Ça permettrait en tout cas qu'il n'y ait plus cette espèce de guerre. Mais est-ce que l'association résoudrait le problème du pouvoir ou résoudrait le problème de l'économie? J'ai pas compris. Elle résoudrait sûrement le problème du pouvoir puisque par définition le pouvoir n'existerait plus. Ainsi que la politique, qui sont une superstructure de l'exploitation économique. Bon, alors abordons la question du pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? Il n'y aurait pas de dirigeants, il n'y aurait pas de chercheurs, il n'y aurait pas des gens qui montreraient le chemin? Justement, on fait l'amalgame entre chercheurs et dirigeants. Il y a des dirigeants, mais c'est des dirigeants qui orientent d'une certaine manière la recherche dans telle ou telle direction. Et les chercheurs sont afféodés à ces dirigeants, à ces sortes de managers. Oui, d'accord, mais enfin, malgré tout, pour qu'une société progresse, il faut qu'il y ait des pionniers. Pour qu'elle avance, il faut qu'il y ait des chercheurs, il faut qu'il y ait des gens qui découvrent des choses, qui fassent avancer les choses. Ou est-ce que c'est statique? Pourquoi c'est contradictoire avec l'idée de l'association? Parce que je pose la question. Je pense pas, non. Parce que y a... Non, je parle de la question du pouvoir. Le pouvoir, il y a le pouvoir des pionniers. Celui qui est en avant sur ce... Est-ce que vous êtes d'accord pour le fait qu'il y a des gens qui doivent être en avance? Ça sert à quoi? Dans un régime où il s'agit de conquérir des parts de marché, celui qui est en avance, c'est celui qui... Qui présente des produits plus intéressants. Qui produit des produits plus performants. Qui présentera des produits qui seront plus rentables. Et là, on n'est plus dans ce cas de figure parce que si l'histoire est réalisée, telle que Marx le voulait, la question de la recherche se présentera sous un tout autre angle. Ah! Il s'agira pas. Il n'y aura plus de recherche en fait. Non, c'est pas ça, il ne s'agira pas de produire la marchandise qui se vendra le plus, mais plutôt l'objet, des choses qui permettront de vivre avec plus de sérénité. Donc on est dans une société qui ne bouge plus. Qui bouge dans l'espace, mais pas dans le temps. C'est ça. C'est-à-dire où le partage se fait mieux, mais où finalement l'avancement des sciences est arrêté. Plutôt
plutôt que le partage, la synergie. Et non, pas du tout, parce qu'il y a toujours des choses à découvrir là. Là, comment la recherche, c'est infini, on peut se poser des tas de questions. Justement, ça permettrait de, comment, d'arriver à un seuil de libération où la, comment, où la recherche exploserait du fait que la majorité des gens pourraient s'y adonner. Étant donné que la production des communs... La recherche a toujours été en contradiction avec la masse des gens. Vous êtes bien d'accord là-dessus? Oui, mais parce que la société a été gouvernée depuis des siècles et des siècles par un régime de hiérarchie. Non, mais toute recherche remet en question le consensus de la masse. Toute invention, toute découverte... Oui, mais certainement, d'autant plus que la masse... ne participe pas vraiment à la recherche puisqu'on n'en a pas la possibilité ni l'occasion. Mais la masse, elle a ses propres intérêts, la masse. La masse, elle a sa propre identité, c'est-à-dire qu'elle a besoin, on en parlait tout à l'heure au repas, la masse, elle a besoin de s'asseoir sur des choses qui sont connues de tous, qui sont acceptées par tous, qui sont communes à tous. Le communisme, d'ailleurs, quelque part, c'est une forme de conformisme intellectuel, le communisme, quelque part. La masse a besoin d'un conformisme intellectuel sur lequel tout le monde est d'accord. Mais ça peut être un faux besoin aussi. Parce que déjà, la masse, c'est un concept qui est sujet à caution. Au sein de la masse, il y a plein de différences, de groupes, de sectes, d'idéologies différentes, et il y a quand même des gens qui sont des novateurs et qui veulent changer les choses. Mais ils ne sont plus dans la masse. Et tout de tout. Ils n'appartiennent plus à la masse dès à partir de ce moment-là. D'une certaine manière, ils n'appartiennent plus à la masse tout en étant convaincus qu'il faudrait pour que les choses changent radicalement que la masse bouge. Oui, mais justement, ceux qui sont capables de faire bouger la masse, c'est une minorité. D'ailleurs, entre parenthèses, qui est-ce qui a fait la révolution de 17? C'est bien une minorité. Lénine, les bolcheviks de Lénine, c'était une minorité. C'est une petite élite. C'est un petit corps. C'est un fer de lance qui avance. C'est pas la masse. La masse, elle suit. Et à la limite, on peut quitter, comme vous dites, on peut quitter la masse. Enfin, est-ce que vous ne pensez pas, par exemple, qu'un certain nombre de gens sont très contents de partager les mêmes valeurs? Tout simplement. Ils sont tout contents de faire front. L'unité, la notion d'unité chez Marx, prolétaire de tous les pays, unissez-vous. C'est unissez-vous sur des valeurs communes. Unissez-vous sur un discours commun. On ne peut pas à la fois être dans l'union et dans la recherche. La recherche, ça crée de la désunion, justement. Celui qui dit tout d'un coup, non, c'est... Je suis un peu fatigué, Jacques, en fait. C'était pas une prestation très, très intéressante. Si.